vient de descendre du bus et on arrive directement devant Typhoon Lagoon. C'est parti, on va découvrir ce parc aquatique. Olive attendait ce jour avec impatience. Regardez la preuve, il est déjà là-bas devant l'entrée en train d'attendre. Mais let's go. Hi. Hi. Thank you, bye. Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Et what's up YouTube. Bon, je pense qu'aujourd'hui, Olive va vivre sa meilleure vie. Tout simplement, parce qu'il attend ce jour depuis longtemps. Il attend depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est à Typhoon Lagoon. On vient visiter du coup le parc aquatique de Walt Disney World. Voilà. On vient profiter du parc aquatique ici à Walt Disney World. Et regardez déjà, on vient juste de rentrer, c'est déjà vraiment trop cool. Il y a un bateau pointé là-bas, mais ça vous le verrez juste après. Et du coup, on va découvrir comment ça se passe. Voilà, on va d'abord découvrir ça en premier. Ah, voilà. Et moi, je vais chercher mon petit t-shirt pour éviter de cramer. Voilà. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Voilà. On va vous emmener faire un petit tour de Blizzard Beach. Ça a l'air vraiment, vraiment canon. Par contre, du coup, je suis déjà beaucoup trop fan de cet endroit. Bon, j'ai acheté mon petit spirit, vous allez le voir juste après. Mais là, ça a l'air vraiment trop, trop beau. Olive est déjà partie faire ça. Voilà. La petite rivière qui fait tout le tour du parc. L'entrée est juste ici. Et vous faites vraiment tout le tour. C'est trop bien. Beaucoup de transats avec du sable. J'en connais un qui va être content. Non, franchement, c'est très stylé comme parc. Et là, du coup, on a le petit emblème de Typhoon Lagoon qui est juste ici. Regardez comme c'est mignon ici. C'est trop chou. C'est génial. Ce parc est vraiment trop beau. Et ici, on a la grande piscine à vagues qui apparemment fait des vagues vraiment extraordinaires. Donc on va voir ça parce que du coup, on vient juste d'arriver. Donc on ne l'a pas encore vu. Olive est déjà dans l'eau, comme je vous l'ai dit. Moi, je suis toujours tout seul. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme on peut le voir, il y a déjà pas mal de monde qui attend les grosses vagues. C'est génial, je sais pas si vous avez entendu les gens hurler, genre. Mais non! Mais non! On aurait voulu le faire, hein. Mais il serait pas arrivé. Bah voilà, il est là. Bon allez, on va continuer la petite visite. Moi je m'éclate à faire ça. À visiter. Au moins je suis sûr de ne pas cramer, c'est l'avantage. C'est quand même le petit avantage d'être sûr de ne pas cramer. Et de ne pas finir en rouge écarlate ce soir à pleurer avec un coup de soleil. Du coup, on a des petits points rafraîchissement, peut-être pour manger aussi. Tiens, hop, on va aller voir ce qu'on peut y trouver. Alors. Ok. Ah, le petit Mickey Pretzel qui est juste ici. Il est très bon, très bon. Et là, on a la carte. C'est bien, il y a des wraps. J'ai envie de wrap en ce moment. Ah, ça là, ça c'est le meilleur de tout. Allez, on continue d'avancer. Ok, donc là, je pense que c'est la file d'attente pour l'un des toboggans avec les bouées, toujours. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs avec les bouées ici. C'est l'heure de pointe dans la rivière. Il y a un embouteillage. Voilà, j'y suis enfin. On est à Typhoon Lagoon. Et je suis dans la rivière que je rêvais de faire. Et c'est tout simplement magique. C'est le paradis pour moi. Là. Tim est en train de faire des photos et de faire des plans. Et moi, pendant ce temps, je profite. C'est le rêve.
Bon allez, on continue un peu le tour. Tiens, je vais vous montrer le petit plan qui est juste ici devant moi. C'est quand même un très joli parc. C'est vraiment un très 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 joli parc. Ah, et là, de ce que j'entends, ils ont dû remettre les grosses vagues de tout à l'heure. Bon, par contre, les transats, c'est vraiment les uns sur les autres, quoi. Là, on peut pas faire plus serré que ça, je crois. Allez, je vais quand même aller mettre mes pieds dans l'eau parce que je l'ai pas encore fait. Cherry Bay. Ouais, comment c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Oh la vache. C'est énorme. Elle est énorme. C'est vraiment un truc de fou. Et donc du coup, il y a une vague toutes les 90 secondes. Voilà, c'est la madame qui est là-bas qui me l'a dit. Parce que je viens de faire tout le tour. En fait. Je vais aller faire un petit tour dans le boardroom pour voir un petit peu ce que c'est, parce qu'au final, j'en sais rien. Je découvre en même temps que vous, là, pour le coup. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Petite décoration. Alors, j'avoue que je connais absolument pas l'histoire de Blizzard Beach. Je vais essayer de la trouver quand même, parce que c'est toujours intéressant de savoir l'histoire d'un parc. Donc on va avoir ça, mais franchement, très cocooning, moi je veux bien aller là. En plus on est à l'ombre, il fait hyper bon, il y a de la clim là. Oh là 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 là, mon dieu. Bon allez, on va continuer le tour du parc. Et l'extérieur se présente comme ceci. C'est trop chou. On a un petit coin de restauration, encore. Ce qui est hyper bien, c'est qu'on peut payer avec le Magic Bomb, donc du coup on n'a pas besoin de se trimballer avec nos cartes. Donc ça c'est trop cool aussi. C'est vraiment une superbe invention le Magic Band ici à Walt Disney World, franchement. Disneyland Paris, essayez d'y penser quoi. Bon et là du coup c'est la carte de ce qu'on peut trouver ici. Là régulièrement il y a des petits trucs, des petits jets d'eau, des petits trucs pour te prendre de l'eau en plus. Déjà on est assis dans l'eau et en plus on nous rafraîchit la tête. Je pense que je suis revenu à l'entrée du parc parce que c'est la boutique où j'ai acheté mon Spirit Jersey du coup spécial pour l'eau, comme le monsieur qui est devant moi. Ah, c'est pas le même, mais c'est un truc comme ça. Encore des points de restauration, franchement, c'est vraiment très cool. Donc j'étais en train de dire, voilà, c'était le petit tour de Blizzard Beach. Ça y est, t'as fait le tour ? Oui, j'ai fait le tour. Ça fait une demi-heure que je t'attends. Oui, et j'ai prié, je l'ai dit dans le vlog, j'ai prié pour que tu y retournes en me disant, putain, pourvu qu'il ait pensé à refaire un tour. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais on peut acheter aussi. On peut aussi prendre des recharges comme cela. Un peu comme à l'hôtel, en fait, où on peut les remplir du coup à volonté ici dans les petits restos. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme glace ? Yeah ! Bon allez, on va aller reposer le portable et puis on va profiter. Vous inquiétez pas, on est à la Osmo. On va pouvoir filmer dans l'eau. Ça va être marrant ça. Juste sur votre droite quand vous arrivez, ici vous avez des petites caisses comme celle-ci. Où vous avez le choix de mettre en plusieurs langues, il y a le français d'ailleurs. Et du coup pour un casier normal c'est 10$, pour un grand c'est 15$, on va vous montrer la différence des deux. Nous on a pris un grand, voilà, donc vous avez juste à cliquer sur le grand, I agree to the term and condition, voilà, et là vous payez, tout simplement. Donc voilà, une fois que vous avez payé, vous choisissez un code, vous confirmez le code, il vous donne le numéro de votre casier. Là vous avez un petit peu partout du coup des petites affiches comme ça avec le numéro. Et il vous reste plus qu'à trouver votre casier ici. Ah, parce qu'en fait, quand on arrive, on a l'impression que tout est pris, mais non, en fait. Voilà, vous avez l'impression qu'il n'y a absolument plus de casier, mais en fait... On va passer par la caisse en premier. C'est ça, en fait, si, il y a encore beaucoup de casiers. C'est juste que, comme il ne faut pas de Magic Band, il ne faut pas de clé, il ne faut quoi, faut rien, c'est la machine qui vous donne votre numéro. Et nous, on a le 1132. Non. 1131. Oui. Et le sol brûle sa mère aussi. Oui, il faut savoir ça. La taille de la vague.
Ah, c'est violent. C'est super violent. J'étais au milieu, je suis parti. Ah mais moi je me suis fait embarquer, je sais pas comment j'ai fait pour pas perdre mes lunettes et tout, c'est un truc de dingue. Il voulait une bouée assise comme ça et voilà, il s'est créé sa bouée assise tout seul. Là ça va être drôle parce qu'il va mettre une demi-heure à monter alors que moi, vous avez vu comment je suis assis? Je vous ai dit, les gros culs en force. C'est tout. Et du coup c'est tellement drôle parce que j'ai l'impression d'être au spectacle, genre littéralement. Bah non, c'est sur ta tête. Ah putain, mais j'arrive pas. Vous montrez que moi je suis dans le plus grand des calmes, assis sur ma petite bouée. Lui n'arrive toujours pas. Regardez cette baleine en train de s'asseoir là-bas. Il a toujours pas réussi, hein. Personne n'a ça ici. Non, t'as créé une nouvelle bouée. On se croirait pas dans Alerte à Malibu là, David Hasselhoff en train d'intervenir. Ce sont un petit. Tu chantes même pas Under the Bridge. Regardez, il y a les palmiers, on est en Floride. Pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, c'est la vérité. On est réellement en Floride. Bobby. On rentre dans les embouteillages. On va arriver dans les embouteillages, les enfants. Bah elle est là, la tête de Mickey, je l'avais pas vue. Voilà. Et franchement, ce Spirit Jersey est vraiment très bien. La claque, cette vague, mais la claque. Elle m'a tué. C'était pas mal. J'ai pas regardé si mon mal bar n'est pas craqué. Surfing USA. Vous voyez pas, vous nous entendez peut-être, donc coucou, à que coucou. Et la vie est compliquée à Orlando, et les bouchons et tout, c'est trop chaud. Bonjour madame. Ah bonjour. Souris, dis bonjour à la caméra. Bonjour caméra. Bonjour caméra. Tu t'es fait mal. Non. Je vais. Jure. Arrête. Moi, je suis posé dans ma petite bouée assise avec ma
mon petit bateau, mais c'est carrément faire bateau avec deux bouées. La petite musique qui va bien avec les Bee Gees. On est à notre troisième tour d'affilée là. Bon, du coup, on nous a demandé d'évacuer la petite rivière parce qu'il commence à faire de l'orage. Voilà, le ciel est très gris. Enfin, là, vous le voyez pas trop, mais là. Et du coup, regardez comment ça fait bizarre. On dirait que c'est mort. Ouais. Que le parc est vide. Toutes ces pauvres bouées abandonnées. C'est ça. Regarde le grand bassin qui était blindé toute la journée avec les vagues. Ah là 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 là. Et c'est un peu rageant parce qu'en fait il y a un grand soleil là maintenant. Mais puis il fait extrêmement chaud encore. Ouais. Il y a toujours le sol qui brûle sa race. Ça, ça n'a pas changé. Et en fait, du coup, on est tombé sur un petit truc comme ça. Un salon privatif. Voilà, un petit truc privatif du coup où les gens se réservent des petites entrées comme ça. Coffre-fort, télé, bar, frigo, tout ce que vous voulez. Donc c'est vachement bien. Franchement, ils sont quand même gavés bien ici. Hein. Bon, du coup, pour vous montrer un peu la taille du casier, donc nous on a pris le grand. Alors attendez, je fais le code. Voilà. En gros, ça donne ça. Alors je sais pas si vous avez vraiment très bien vous rendre compte, mais en gros, il y a le sac d'olives, nos fringues, enfin nos chaussures, etc. Plus mon lunch fly. Ouais. Voilà. En gros, c'est vraiment chaussures pour deux personnes, un sac à dos comme Olive, un sac lunch fly comme moi, et c'est tout. Genre, peut-être les chemises, les t-shirts. Mais après, c'est vite rempli quand même. En fait, si vous voulez pas payer, le conseil qu'on peut vous donner, c'est venez sans rien. C'est ça. Si vous avez le Magic Bond, vous n'avez pas besoin de sous. C'est ça. Ils vous fournissent des serviettes. Des justiciers. Donc, vous venez juste avec un sac en plastique pour mettre vos affaires, que vous laissez sur un coin de la plage. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de payer. Et voilà. Voilà un petit conseil qu'on peut vous donner. On a jusqu'au bus pour vous dire qu'on a passé une journée très 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 belle ici à Typhoon Lagoon. On peut pas vous donner notre avis sur les toboggans parce qu'on a pas quitté la rivière. Bon, la vague est extraordinaire. Voilà, c'est ça. Bon, laissez tomber, on n'aura pas le temps. On se retrouve là. Bon, voilà. Du coup, on vous a laissé devant le bus. Attends, juste 30 secondes. Regardez comment il est trop joli celui-là aussi. Bref, voilà, c'était la petite aparté. On vous a laissé là-bas à Typhoon Lagoon. On se retrouve maintenant à Disney Springs. Parce ça, c'est un autre vlog. On a pris le petit bus. Regardez celui-là qui passe le Roi Lion. Hey. Il est genre trop, trop mignon. Tous les bus ici sont trop beaux, alors que Paris, ils sont pas. Ouais. Anyway, du coup, on vous disait que Typhoon Lagoon, on pourra pas vous dire notre ressenti par rapport au toboggan. Puisque nous n'en avons pas fait, nous n'avons profité que de la vague. C'était un choix, pas forcément parce qu'il y avait du monde ou quoi que ce soit, c'était plus un choix. Parce qu'on n'avait pas envie de... Non, parce qu'en fait, on a tellement kiffé la rivière qu'on n'a pas bougé de la rivière. On a fait peut-être au moins 6-7 tours de la rivière, donc c'est-à-dire qu'il fait tout le tour du parc. Quand vous avez vu Olive du coup dans l'eau en début de vlog, il était déjà dans la rivière. Voilà, c'était le premier tour. Et moi après je l'ai rejoint pour ça. Et au final voilà, on a quand même fait. Enfin tu as quand même fait toi les grandes vagues. Oui, j'ai quand même fait 2-3 fois la grande vague quand même pour voir ce que c'était. Moi pour le coup je me suis pas aventuré parce que je le sentais pas. J'avais pas envie non plus. Mais lui il a kiffé. Oui, c'était monstrueux. Franchement, impressionnant, j'avais jamais vu une vague de cette taille-là. Et voilà. C'était extra et très 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 belle journée, écourtée à cause d'une menace d'un orage. Ils ont évacué le parc. Regardez ce palmier, enfin, là c'est nos pistes d'atterrissage. Le palmier avec les nuages gris et pourtant on est en Floride. Ils ont évacué le parc, j'irai 1h30 avant l'heure de fermeture. Ouais. Mais bon, on avait bien profité, donc pas de frustration. Dans tous les cas, on pensait pas à partir à 19h, donc au final ça... revient presque au même pour presque nous, au même. Parce qu'on avait prévu de venir ici à Disney Springs parce que c'est vraiment à côté et c'est surtout que le bus fait Disney Springs, Typhoon Lagoon, hôtel ou hôtel et ainsi de suite, vous avez compris. Donc voilà, mais en tout cas si vous venez à Walt Disney World, je pense que c'est vraiment un parc, si vous aimez les parcs aquatiques, voilà, si vous aimez l'eau, c'est vraiment quelque chose à faire. Par contre si vous n'aimez pas l'eau ou ces trucs là, n'y allez pas, concrètement ça sert à rien. Et après si vous avez pris la formule, c'est compris dedans. Et après donc, si vous êtes comme nous du coup 14 jours avec tous les parcs, enfin tous les accès au parc etc, autant en profiter un petit peu, surtout qu'il fait extrêmement chaud. Encore maintenant, je suis en train de transpirer comme un bœuf. Mais voilà. À savoir qu'en ce moment, c'est le Typhoon Lagoon qui est ouvert. En ce moment, c'est le Typhoon Lagoon qui est ouvert. On ne sait pas jusqu'à quand, par contre. Pause. Regarde. Oh la vache.
Donc voilà, en ce moment c'est Typhoon Lagoon qui est ouvert. Vous vérifiez. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'en fait tous les, le matin, en général le matin, c'est écrit sur la télé. Du coup, dans la télé de votre chambre, c'est écrit quel parc aquatique est ouvert. Nous ce matin, on a eu un petit flip où on s'est dit putain pas Blizzard Beach, mais au final non, ça va, on s'est bien retrouvé avec Typhoon Lagoon. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de réserver sa journée pour ce parc-là. C'est ça, absolument. Et donc voilà, c'est parfait. Et ben voilà, on va conclure ce vlog de la journée à Typhoon. On a oublié un petit truc, parce que vous voyez, on tourne plus, on n'a plus l'habitude, etc. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et en attendant, ciao.